Oh mamacita, oh mamacita, est-ce que tu me supportes un râteau dans la vida? Parce que je suis un trafiquant de la caille, qu'un jour je peux me faire capturer par les mbila. Oh mamacita, est-ce que tu me supportes un râteau dans la vida? Parce que je suis un trafiquant de la caille, qu'un jour je peux me faire capturer par les mbila. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Donc aujourd'hui nouvelle vidéo, c'est le Red Pack que j'ai fait. C'est un Mayshop Pack comme mon pack que j'ai release précédemment. Mais en gros je me suis tapé un délire, je voulais faire un Red Pack un peu à ma façon et assez drôle. Donc je vais tout de suite commencer à vous le présenter. Donc là c'est le ciel, je l'ai pris du Dark Pack de Nazca. Ce que je préciserai pas, c'est principalement du Dark Pack de Nazca. Donc je mettrai le lien dans la description quand il l'aura release. Et de jour slash time set day. Voilà, ça donne ça. Donc au niveau du curseur, vous voyez, il est rouge. Donc voilà, c'est moi qui me suis tapé un délire et un peu en mode... un viseur un peu... stylé, on va dire. Et par contre, vous voyez, il est rouge et si vous regardez le ciel, bah là, il est transparent. Et comme ça, il est bleu. En général, quand on regarde des personnes, il est bleu, je crois. Donc ensuite, les minerais, c'est du Dark Pack de Nazca. Les armures, c'est du Cherry Pack de Matox. Donc vous le voir. Ensuite, donc les épées, là c'est l'épée en diamant que j'ai modifié. Toutes les épées je les ai modifiées du Cherry Pack de Matox. Donc là l'épée en diamant, vous voyez, j'ai fait une forme un peu arrondie et c'était marrant, tu vois. C'est pour ça, l'épée en fer, en pierre, en bois et en or. L'arc, il est toujours du ressource pack, il est du ressource pack by Sniper Charm, donc voilà, j'aime bien cet arc, donc voilà. Les flèches, la canne à pêche, elle est du Dark Pack, et là, l'épée en diam s'enchantée. Je vais reposer les épées, sauf ces deux épées, voilà. On va voir au niveau des particules. Coup critique, vous voyez, c'est des bulles rouges. Donc tout le Red Pack. Et vu que j'aime bien les bulles comme particules, comme vous aurez pu le voir si vous étiez sur mes lives hier. Et après, au niveau des particules, vous voyez, de sharpness, c'est des cœurs rouges là un peu. Et l'ensemble, ça donne. Hop. Voilà. Donc là, vous avez vu les particules. Hop. Là, les vitres, elles sont transparentes. Donc ça, c'est toujours du Canid Pack x512 de Dwalls. Comme ça, ça fait des meilleurs rendus. L'eau, elle est transparente, c'est de Matox. Les blocs, ils sont du Dark Pack de Nazca cette fois-ci, ils sont pas de Matox. Donc la lave, quand vous êtes en feu, les flammes sont bleues parce que je sais pas, j'aime bien, c'est joli en bleu. Et c'est chiant tout le temps orange. Ensuite, slash game mode 0. Donc là, vous avez l'underpearl, hop, bam. Vous voyez, c'est cool. Là, la pomme de notch. Et là, la pomme normale. Avec les cartes d'abso, voilà. Hop, le feu. Hop, on se remet en game mode. Game mode 1. Tac, 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 tac. Et donc, au niveau des particules de popo. Donc là, la régène. La speed. La fire resistance. Ça, je les ai pas modifiés. J'ai que modifié ce que j'avais pas la flemme, quoi. Je suis pas un pack maker. J'ai juste fait le red pack en mode fun. Mais du coup, on a vu la heal, la night vision, la weakness, la strength, la slowness. Hop, on va voir les autres particules. Tac, 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 tac.
tac. Non, j'ai cru. Potion de saut 2, potion d'arming, potion de water briefing et potion d'invisibility. Donc est-ce que... Oui. Ouais, donc le curseur, oui, je l'ai dit, il est pas fait par moi-même. Je regarde sur mon deuxième écran, est-ce que j'ai oublié de dire des trucs? Eh ben non, donc ben, on passe tout de suite vite fait à la mise à jour du Best Mashup Pack. Donc pour le Best Mashup Pack, donc j'ai changé les particules. Déjà, donc attendez. Hop, hop, hop. Donc, coup critique. Vous voyez, c'est des cœurs rouges, mais là vraiment rouge, parce que je sais pas, ça rend bien. Au niveau des particules de sharpness, vous voyez, c'est des bulles noires, ça rend stylé, surtout avec le particule mode. Et l'ensemble, donc ça fait, bah, je trouve que ça rend bien, ça fait des grosses particules, au moins il n'y a pas besoin de faire beaucoup de clics et vous en faites masse. Et je vous dis pas quand vous jitter, quand vous êtes en jitter. Donc ensuite, j'ai aussi modifié les épées du coup et minerais, comme vous avez déjà pu le voir à l'Eperdian. What? Oui. Donc j'ai été perturbé pour rien un peu. Les épées, je les ai repris du Halloween pack de Solukis parce que je trouve qu'elles rendent stylées. J'aime bien avec la tête de mort et tout, c'est stylé. Voilà, vous voyez vite fait, hop, hop. Voilà, je trouve qu'elle rend stylée, donc c'est pour ça que je les ai modifiées. Donc aussi du Halloween pack, j'ai modifié les minerais parce que bah, pareil, ça rend stylé. J'aime bien la tête de mort pour tirer les minerais. Et ensuite l'arc, je sais plus d'où je l'ai pris du coup. Je croyais que c'était du pack by Sniper Champ, mais en fait ça doit être... Ah non! Je pense que c'est du Canid Pack de Dwalls. Je regarderai, de toute façon je vous le mettrai en description. Donc voilà, n'hésitez pas à check la description. Et du coup je vais vous laisser vite fait avec un combo montage pour les deux packs pour que vous voyez mieux en PVP. A tout de suite. Ils reconnaissent quand ils parlent entre eux. Sans ma fierté, je serais plus riche que. Sans mon honnêteté, je serais plus vite que. Fierté, courage, honneur, noblesse, voilà ce que je souhaite. Magnifique, mais maléfique. Faut que tu l'emmènes au KFV pour bien dans les îles. Oh là.